Je t'emmerde, sale chien de merde. Je t'emmerde. Parle pas de ma soeur. Parle pas de ma soeur. Parle pas de mes soeurs. Parle pas de mes soeurs. Parle pas de ma famille. Sale chien, va. Oh mon petit Youtubeur. Mon petit Youtubeur. On se même pas me toucher. On se même pas toucher à la famille. Je t'emmerde. Chien. Miam. Sale pute, va. Je t'emmerde. Raciste. J'ai besoin d'une dernière preuve que vous, et après je t'accepte, je dis plus rien sur toi. Fais voir ta bite, si t'as le bout coupé. Ah, j'avoue. C'est fini. Ah, j'avoue. Bah, c'est le sommet. Si t'as encore le capuchon, c'est bon, je peux rester là. Si t'as plus le capuchon, c'est ciao. Ouais. Ah non, c'est pas. Moi, les gars, je pense que je vais quitter la vocale. Hein. Non, mais qu'est-ce que là, ils n'ont pas montré son jeu. Je veux pas voir des subs. Hein. On y va. T'es mort. Si tu oses rentrer chez moi, t'es pas, tu pars. Tu te rappelles la dernière fois les livreurs? Tu te rappelles? C'était moi qui me suis caché. J'étais caché dans le buisson. Oui, quand je l'ai reçu d'un bat de baseball. Moi, je dirais oui. Plutôt le F. Ouais, c'était moi dans la voiture, ouais. Tu crois qu'il a été courageux de sortir? Bah il non. A fait couler les deux. Parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur que tu me frappes. C'est pour ça que je suis pas sorti. J'ai eu peur. T'avais une batte. Bien sûr, je te frappe ta gueule. T'avais une batte à ce moment-là. J'avais pas d'arme. Ta tête, ta cervelle, je te la fous sur le capot de la bagnole. Te l'explose ta gueule. Papa! Espèce d'ordure! Faut que tu choisisses tes proies. Fallait pas me choisir, moi. Tu sais, moi, je suis un soldat. Je suis un patriote. Moi, je suis un pirate, regarde. Et ton pirate. Et les chevilles de cul. Tu crois pas que moi, j'ai une croix nazie dans ma chambre? Et moi, je fais des saluts nazis. Alors, fais un salut nazi pour voir. On va voir si t'as des couilles. Hitler, non, fais pas ça. Tu vas me faire bannir, ma chaîne. Extraction, je me casse. Enchanté. Arrête de la draguer. Merde, elle me pompe. Mais elle est sérieuse. Mais circulez, monsieur. Qu'est-ce que tu me fais, la meuf? C'est mon ami. Elle est sérieuse, tu pompes pas au bon endroit, là. Bien gentil et courtois, mais t'annonces la couleur, meuf, on dirait. Mais ferme-la. Je sais pas ce qu'elle a, mais en tout cas, j'aime bien vos méthodes, madame le M. Alors, si tu veux pas, je te mets à terre, ferme-la. Ah ouais, celui-là, il prend le... Oh. Ah, t'as une gueule de pédé d'arabe, de merde, co-islamiste, de merde, terroriste. Va enculer tes sœurs et ta mère en même temps. Mais toi, tu vas prendre de la tôle et du pognon. Ouais, tu vas prendre de la tôle. Ta gueule. Ça va, prends un téléphone normal, on est plus autant de préhistorique, on passe plus par télégraphe. Ah, ta gueule. Attends, Asiator, attends, viens ici, espèce d'idiot, attends, t'es... Asiator, c'est de quelle origine? T'es de quelle origine, Asiator? T'es de quelle origine? Ton pseudo, là, t'es Asiat? Je suis breton. Franchement, Carnage, t'es casse-couille en fait. Bah, je suis désolé, on a dit que c'était un serveur français. Oui, et donc? Vas-y, développe, c'est intéressant. Bah, regarde son pseudonyme, ça t'en dira long sur lui. Regarde-le. Non, mais t'es sérieux des propos là? Asiat, il est originaire d'Asie, donc il n'a rien à faire ici. Ici, bon, on est patriote. T'es quelle origine alors? Bah, dis-le, t'es quelle origine? Messieurs, s'il vous plaît, c'est pas la question, on est là pour jouer, les gars. Ah oui, bah, on joue alors. J'ai bien joué, mais alors qu'il me parle pas. Ouais, j'ai gagné 2 500 € maintenant, c'est toi qui vas dégager. De l'appart. Furieux, ouais, c'est toi qui vas devoir dégager de l'appart, hein, madame. Hein, je suis désolée. À la base, il avait convenu que je pouvais y rester toute la vie parce que voilà, j'étais sa chérie d'amour et que voilà. Donc, ouais, mais là, j'ai de la chance. Ouais, il avait pas dit toute la vie. Attends, je te coupe la parole. Il avait dit jusqu'à ce que toi, tu trouves un loyer. Bah ouais, mais. Tu trouves un loyer, un travail. T'as déjà un travail. Moi, j'ai pas de travail, je galère à travailler. C'est pour ça que je joue à FIFA toute la journée avec lui. Trouve un vrai travail aussi, je sais pas moi. Travail. Hey, Furious, dis-lui qu'on peut gagner de l'argent avec les clubs pro quand on est fort. Dis-lui. Bah oui, les clubs pro, t'as les complètes. Tu peux gagner jusqu'à 1 000 euros aussi, avec toutes les. C'est pas assez pour payer le loyer. Avec toutes les compètes. Bah, c'est assez pour payer le loyer. Moi, j'y sais rien, mais. Au moins, avec les compètes, tu peux déjà faire ma manicure. Désolé. Mais c'est quoi, t'as Furious, dis-lui les termes. Dis-lui, parle-lui parce qu'elle commence à m'énerver. Dis-lui de dégager de la maison. Oh non. Tu me saoules, en fait. Tu me saoules. Laisse-moi vivre ma passion. Je suis avec Furious, on a monté un club pro. Mais tu cries tout le temps, ça me casse les oreilles. Là, j'en ai marre que tu cries dans l'appartement, on a des problèmes avec tes voisins. Mais alors qu'est-ce qu'importe, s'il te casse les oreilles? S'il te casse les oreilles, bah logique que tu pars. Si tu pars pas, c'est en plus, Furious, j'ai regardé, t'as pas un très bon niveau sur FIFA, hein. Quoi, t'es sérieuse de dire ça? T'es sérieuse? Attends, viens montrer ta gueule. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, sale pull, va? Je te parle. Sale merde, va.
Je vais le piquer les tétons. Avec ma fourchette, je vais le piquer, mec. Parle pas de ma famille, parle pas de Soso. Parle pas des jeunes. Sale merde, là. C'est pas ta famille, je t'emmerde. C'est ma famille, sont mes abonnés. T'as pas intérêt à comme justice. T'es mort, tu vas te faire pointer en prison. Tu vas te faire déchirer le cul dans la douche. Suce-moi la bite, suce-moi la queue. Ils vont te niquer le cul tous les jours. Regarde mes seins, suce-moi. Tu vas te faire violer en tôle. Regarde mes seins, suce mes seins. Tu vas te faire violer. Regarde mes seins. Alors, et le gamin que t'as eu hier à lui apprendre à chanter, tu vas le pointer aussi, lui. C'est un homme, t'es dans la merde. T'as pas de preuve. T'as pas de preuve. Ferme ta gueule, t'as pas de preuve. T'es qu'une merde. T'es qu'une merde dans la rue. C'est toi qui es dans la merde. C'est toi qui es. Viens à Créteil alors, viens à Créteil, viens à Créteil, on va se régler toi et moi. Ah, maintenant t'es plus au Portugal. Viens à Créteil, j'ai déménagé, viens à Créteil, viens à Créteil. Ah, mais attends, mais donne-moi ton adresse pour le coup. Viens à Créteil, va, viens à Créteil Université. Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Ça bug chez moi, vous m'entendez monsieur, madame? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Attends chérie, il y a des gens qui nous parlent. Je les vois à la caméra, attends chérie. J'essaye de me connecter avec ma femme, est-ce que vous nous voyez? Oui. Attends chérie, attends, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut que tu appuies sur le bouton start. Normalement c'est là. Est-ce que tu me vois bien? Attendez. Non, c'est, oui, c'est bonjour, fait, salut tonton Crazy. Oh. Je suis avec ma femme. Ouais. Faire ça. Ah, il y a le clown. T'as mis en photo de clown. Ah ouais, bah oui, je suis là pour te faire rigoler, Angela, moi. Je fais ah, ça. Bah très bien, c'est pas mal alors. Ouais, c'est pas mal. Mais je suis un peu déçu parce qu'on devait. Tu m'avais ajouté en privé, on devait se voir pour que je te mette. Je touche à ta galaxie, que je t'envoie dans les étoiles. Et ouais. Tu m'as pas répondu. Du coup, moi j'ai les couilles pleines maintenant. Je suis à deux doigts d'avoir un geyser dans le slip. Fais voir. Je te jure que j'arrive en privé. Je coupe le live. Fais voir tes couilles. Fais voir. Juste en bas. Tu mets ton téléphone en bas. Je peux pas, je suis en voiture. Non, je suis en voiture. Sors tes couilles. Tu sors, tu te déshabilles. Enlève tout. Je suis en voiture. Angela, je suis en voiture, je peux pas te sentir mes couilles. Mais alors, il y a plein de monde autour de moi. Et alors, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Je veux voir tes couilles. Mais moi, je peux pas, je suis connu ici. Je vais avoir des problèmes après. Ouais, c'est ça. Tu sors ton grosse bitre. Bah, je te sors mon grosse bitre, mais on se voit après, Angela. C'est ça le truc. Mais je me posais une question parce qu'il va encore. J'espère qu'il est là pour m'écouter parce qu'il verra bien que je me fous pas de toi. Parce que moi, je suis passionné de cuisine. Et les frites, ça va être des frites maison ou des frites McCain? Frites maison, je crois. Donc tu as mangé un Big Mac fait maison, mais il y a deux steaks, donc ça va être assez costaud. Est-ce que tu penses que ça serait pas mieux avec des frites quand même pour apporter un peu de liant? Ouais, ce serait mieux, mais je sais pas clairement si ma mère elle veut faire des frites ou pas. Mais va lui demander maintenant parce que un burger sans frites, ouais, vas-y. Maman? Ouais mec, on mange pas de frites. En plus ma mère elle m'a répondu t'es assez gros. Non mais. Attends, mais elle t'a trollé ou quoi? Je suis mort. Non, en plus, c'est un peu... En vrai, c'est vrai. Je mange des chats. Bah, oui, on comprend. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien oui. Et c'est bon. Ça a quel goût? Parce que je sais qu'en Chine, on en mange beaucoup du chat. Mais enfin, je n'ai jamais mangé. Mais ça a quel goût? J'ai jamais mangé du chat. C'est vrai un que... Un peu salé. D'accord. Un peu salé. Bon, bah non, mais toi, c'est toujours bon à savoir quand on sait pas quelque chose. Eh ben, on demande. Tu vas le tirer direct. Si tu la mets pas, là, elle est facile à mettre. Hein. Allez, mets-la direct. Hein. Bien joué. Oh, j'ai marqué! Oh, j'ai marqué pour début! Enfin les émotions, on perd pas contre les Africains, enfin. Allez maintenant défends. Tu croyais avoir le monopole du net, tu croyais nous prendre pour des abrutis. Tu passes ta vie dans ton studio, tu dors, tu te laves en fait, même pas. Tu te laves même pas, t'es un gros porc, tu passes ta journée dans ton studio. T'es un branleur, t'es un déchet de la société. Tu vis avec le RSA, salope. Va enculer tes frères mineurs, je te dénonce, t'es un pédophile. Tu fais de la cesse avec tes soeurs, t'es une pute. Tu vas faire de la prison. J'ai tout sur toi. J'ai les vidéos de ton visage. Tu vas prendre 4 ans, 5 ans de prison. 50 000 euros minimum d'amende. Tu vas devoir mettre tes soeurs sur le trottoir à 4 ans. Tu l'as resté pourvu que ça dure. T'as voulu me niquer, t'as voulu jouer avec ma gueule. Avec ta gueule de musulman blancos de mes couilles. Là. Sale gros porc, là. Sale pédé, là. Sale bouffon, sale sous-merde. Déchet, résidu de capote. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras là? T'es mal à voix de chien, je préfère largement Emmanuel Ploquet quand il rappe. Dans ce cas-là, moi je fais une voix de casso, ça va un peu plaire et je mets une instru derrière. J'ai fait du rap.
On fait du rap conscient. Je suis dans la rue en train de faire beau jour. Dire bonjour à des gens. Allez, envoie l'instru. Balance le son. Et je suis là qui vance. Non, mais et le deuxième message que je t'ai mis. Le montage qu'il a fait. Mais c'est quoi ce chien? Attends, quoi? Ed Moubarak. Ils ont réussi à faire des montages. Même si t'es musulman, ça me cache. C'est pas grave. En tout cas, on est là pour la France. Ah, merci. C'était bien qu'il se finit bien. Même si t'es musulman, tu peux changer. Hein. Ouais, je peux changer de façon. Voilà. Voilà. Ça, c'est un mec qui a appris, qui a regardé les lives. Je te vois un petit peu sombre, mais je te vois. Oula, pourquoi t'es comme ça? Je me suis branlé juste avant. Voilà, bah ça confirme bien ce que je disais, donc t'es une personne très bizarre. Quoi? Bah c'est bien, mais c'est bien, continue seulement, tous tes trucs, toutes tes merdes. Bah je continuerai, vu que j'ai droit, non? Non, là, ce que t'es en train de faire, c'est n'importe quoi, en fait. De base, moi, j'ai eu des réclamations sur l'OVO, et là, t'es en train de faire n'importe quoi, en fait. Là, tu fais n'importe quoi, en fait, tu pars beaucoup trop loin. Et si vous êtes envoyé par le connard de Metec, de Blackos, de musulman de mes couilles, de Ruiz le youtubeur, lui c'est pareil, je vais lui mettre la justice au cul, son studio va être fermé, il va prendre 4 ou 5 ans de prison parce qu'il branche des petits gamins de 11-12 ans, il veut se les pointer, ce petit pédophile, ce gros porc de blague de pédophile, et il va prendre 50 000 minimum euros d'amende. Attends, il pleure, mais attends. Et il continue son jeu, mais attends. C'était un bon call le Furious en fait, malgré moi. Il doit péter un câble quand il ramène le Furious. Attends, je reviens. Vas-y, arrête ton buzz, espèce de pédé taras. Ta gueule, t'as joué, t'as perdu. Ah, tu vois, c'est le produit de merde. Toi, c'est le manchon là, c'est pour ton cul. À nous deux, Régis. T'as vu la bague? Tu l'as vu la mienne? Ah, regarde. Allez, viens me battre maintenant. Tu veux ce côté-là ou ce côté-là? Eh, hey, hein? Tu veux ce côté-là ou ce côté-là, sale pute, va? Tu la vois ma queue ou pas? Tu la vois ma grosse queue? Y'a une queue de circoncis, t'as une queue de connard. Regarde ma queue, comment elle est grosse. Maintenant, suce le bout. Suce le bout, là. Suce le bout, maintenant. Suce mon bout, maintenant. Toi, fallait pas... Mets-toi face à moi. Affrontement duel, mets-toi face à moi. Ta gueule. Comme au JO, comme en escrime. En garde. Espèce de gamin. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.